si Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé qu'ils passeront Noël avec Doria Raglan, Kate Middleton et le prince William ne se sont toujours pas exprimés sur le sujet. Alors, le couple de Cambridge a-t-il, lui aussi, décidé de célébrer le réveillon sans la reine Elizabeth II ? La famille royale britannique sera de nouveau séparée pour Noël cette année. Comme l'a confirmé Buckingham Palace, Meghan Markle et le prince Harry ont choisi de passer 6 semaines aux États-Unis, dont le réveillon qu'ils célébreront avec Doria Raglan, la maman de la duchesse de Sussex. De leur côté, Kate Middleton et le prince William n'ont toujours pas révélé où ils séjourneront pour les festivités, alors qu'ils sont attendus à Sandringham, dans le Norfolk, avec la reine Elizabeth II. Un silence qui soulève quelques interrogations chez plusieurs experts de la royauté. Cité par le Daily Express, Lydia Starbuck, rédactrice en chef du Royal Central, a déclaré « Savons-nous si William et Kate seront présents, à Sandringham ?» Note de la rédaction, cela a-t-il été confirmé ou non ? Ils n'y sont pas toujours allés, comme en 2012 lorsque Kate était enceinte de George. Ils ont passé Noël avec ses parents. Ou quand Charlotte était toute petite, nous avions ces photos d'eux marchant à l'église avec George. Il est donc assez normal que la jeune génération aille passer Noël ailleurs. Il se pourrait alors que le couple de Cambridge et les 3 enfants, George, Charlotte et Louis, se rendent chez les parents de Kate Middleton, Carol et Michael Middleton, dans le Berkshire, comme ils l'ont fait en 2012 et en 2016. Toutefois, rien n'a été annoncé pour le moment. Si Kate Middleton et le prince William sont habitués à passer Noël chez les grands-parents maternels de leurs enfants, l'absence de Meghan Markle et du prince Harry, elle, ne passe pas. Tandis que la reine d'Angleterre, légèrement vexée par la situation, tente de cacher ses émotions dans la sphère publique, certains détracteurs n'hésitent pas à donner leur avis. C'est le cas du journaliste Piers Morgan, qui s'est ainsi exprimé dans les colonnes de Mail Online, pas une semaine ne passe sans qu'il n'engage des poursuites envers la presse pour atteinte à leur liberté ou pleure à la télévision au sujet de la terrible attention qu'ils doivent subir, a-t-il écrit avant d'ajouter, ils devraient cesser de se comporter comme des enfants gâtés et faire leurs devoirs. Et ils peuvent commencer en passant Noël avec la reine. L'animateur de télévision déplore que les parents d'Archie Harrison passent à côté de cette occasion idéale de terminer sur une bonne note et de réparer les morceaux avec les Cambridge.